Yo tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme promis, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de défi. Alors de base, j'étais partie sur l'idée de faire un défi par jour pendant 5 jours et au final, je vous avoue que j'ai eu extrêmement la flemme de sortir une vidéo par jour. Donc du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une très grosse vidéo avec plein de défis que vous nous avez donnés sur Insta. L'idée de cette vidéo est du coup partie d'un live que j'ai fait la semaine dernière sur Instagram où je me suis retrouvée à faire un poirier contre soleil et donc de là, on était 400 et on s'est dit ce serait pas mal de se refaire une petite vidéo défi puisqu'on n'a pas fait ça depuis les 10 000 abonnés. Donc comme on a passé le cap des 60 000, défi des 60 000 abonnés, c'est parti. Bon du coup on va commencer par le défi à cause duquel on en est à faire cette vidéo, c'est-à-dire faire un poirier contre soleil pendant 20 secondes. Il va falloir que je tienne 20 secondes, c'est parti. Un, deux, non, trois, non, bouge pas. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt. Défi relevé. Ça se voit, j'ai jamais fait de gym de ma vie, hein. L'avantage comme on peut voir c'est que on a un soleil très très coopératif puisque monsieur est en train de littéralement faire sa sieste au soleil, donc tout va bien, pompe et lope, on est tranquille. Défi numéro 2, il faut que je fasse un salto en descendant de soleil. Donc là c'est le moment où je mets ma bamba parce qu'on se protège quand même le ciboulot, c'est très important. Ok, donc là on est à cheval, c'est déjà une bonne étape de fait. 1, 2, 3. Allez, 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 accroche-toi en dessous de son ventre. En dessous de son ventre. Mais c'est plus facile, arrête. En dessous de son ventre. Mais en dessous de son ventre quoi? Tu mets tes bras en dessous de son ventre. Ah, mais non. Tu vas. Deuxième tentative. Mais non mais je comprends pas. Non là c'est pas du tout un salto là. Je comprends pas le fonctionnement en fait. Tu veux que j'essaye? Je sais pas. Ah. Bon alors la pirouette pour descendre de soleil c'est un zéro pointé, je n'y arriverai pas et j'ai pas envie de me faire mal donc c'est mort, je ne tente plus. Il nous reste un dernier défi gym, c'est de faire la chandelle sur le dos de soleil. Et la chandelle c'est un truc que j'aimais trop faire quand j'étais petite. Donc on va essayer, on y va. Bon, alors on va faire la chandelle. Ok. Oh mais c'est hyper dur. Bah j'arrive pas. Putain. Attends. Mais je peux pas. Je vais lui faire mal en fait si je fais comme ça. Je vois pas comment je peux faire. Parce que là c'est une zone très fragile, c'est les reins des chevaux, il faut quand même y faire très très attention. Faut pas trop s'appuyer dessus. Oh non non non, c'est inconfortable le garrot. Et ben pour le respect de mon poney, je ne ferai pas la chandelle sur son dos parce que j'ai pas envie de lui faire mal. Défi raté encore une fois. Bon alors pour ce défi il faut que je me bande les yeux puisqu'on va devoir faire un slalom en longue graine à l'aveugle. Alors déjà il faut savoir que les longues graines avec soleil on n'en fait pas, on en a même jamais fait. Je l'ai pris une fois en luge, je me suis fait tracter par soleil en luge une fois. Et on n'avait jamais fait d'attelage, jamais fait de longue graine, enfin voilà bref c'est inné chez lui. Mais du coup en soi il n'a pas du tout les codes de la longue graine. Donc là on va faire des longues graines en licole, les yeux bandés. C'est parti. Oh, ça c'est son gros cul. Encore? Encore? Non, à droite? À gauche, pardon. Je connais pas ma droite et ma gauche, t'es non, ma soeur. Moi non plus. Alors, ok. Ok, déjà, on est in the position. Mais je sais même pas où il est le slalom.
Où sont les plans? À droite. À droite, 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 droite. Droite. C'est où la droite? Il fait le salon là. Dis-lui. Dis-lui que c'est n'importe c'est quoi. Non mais regarde où t'es s'il te plaît. Regarde où t'es. Regarde où t'es. Attends, mais non. Bon, du coup, je crois que ce défi est encore un échec. On est vraiment super nuls. Et du coup, j'enlève mon bandeau de Koh-Lanta pour départager lequel de nous deux est le plus nul. On va se faire une puissance. Donc c'est parti pour la puissance de Léa versus Soleil. Go. J'espère que tu vas faire tomber une barre comme sur les parcours de CSO. Gagner, il faut que tu gagnes. Si tu gagnes, il faut que tu sautes. Non, si, un poney, ah, si, dites-lui que si j'ai raison, j'ai gagné pour qu'elle gagne. Je me suis fait mal. Eh ben, écoute, mon gros, on est tous les deux nuls. Ok, dernier petit défi bonus, parce que c'est celui que vous m'avez le plus demandé, c'est du coup de monter Soleil à l'envers et si ça se passe bien, de faire un petit saut. Normalement, ça devrait bien se passer, donc c'est parti pour avoir la queue à la place de la tête. Bon, pour l'instant, au pas, ça se passe plutôt pas mal. En fait, le mouvement du bassin à l'envers, c'est le truc le plus compliqué. Et diriger à l'envers aussi. Oh. Bon bah voilà, on a essayé de relever vos petits défis, ça n'a pas toujours été facile, on les a pas tous réussi, mais comme je l'ai dit à chaque fois, je vais pas non plus faire mal à mon poney juste pour votre plaisir, clairement. Donc voilà, on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait, on est clairement très nuls tous les deux, au moins on forme une belle équipe, et puis bah il mérite quand même une petite récompense, donc son petit sucre, et puis moi je vais aller manger, hein, ça va être ma récompense à moi aussi, ah bah oui, ah bah oui. Allez, ciao!